Amis signateurs, bonjour. Aujourd'hui c'est Vincent. Et donc, aujourd'hui, hein, donc 4 mars 2014, à 6h04 du matin. Donc ça faisait 2h que je chassais, donc j'ai mis le réveil à 4h du matin pour chasser. Et donc je faisais du triple, hein, donc il y avait cette console. Celle-là, la SP, et après celle-là, l'autre SP. Donc je faisais du magical, donc je suis à 3626, donc c'est pas mal en 4 jours seulement. Pour moi, c'est une bonne moyenne. Enfin, je glande encore, donc voilà. Et donc aujourd'hui, donc au bout de 744 fucking rencontre, je tombe sur ça. Ce fora shiny. Non merde. Alors j'ai extrêmement peur. Je vous pouvez pas savoir à quel point j'ai peur de que le shiny meure. Parce que j'ai oublié de buter le levénard en premier. Allez, s'il te plaît. J'ai vraiment peur. Le coq. Donc là on va faire étincelle. Non pas étincelle. Mâchouille sur le levénard. Voilà. Crève connard. Non. Voilà. Donc voilà, dans mes 744 rencontres les gens. Et je tombe sur ma cible dès le premier coup. Vous imaginez qu'on... Putain. Je sais pas quoi dire parce que ma version perle c'était une salope. Enfin, je voulais vraiment plus laisse capturer. Je voulais vraiment plus chasser dessus. Et là d'un coup je tombe sur Fouforef Shiny les gens. Je fais what the fuck. Voilà donc. Non, j'ai un surnom, mais je te surnommerai plus tard. Je te sauvegarde. Surtout que là, j'ai bientôt plus de batterie. Donc, attendez, on va faire en même temps la preuve noire. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, de toute façon, la preuve noire a été faite parce qu'il y a eu un feu forêt dedans. Donc, la Cargus qui parie brave. Et moi, je vais parier modeste. Ou pressé. Allez, je rêve. Oh, attendez, je vais le regarder. Oh, il est trop beau. Il est timide. Je sais pas ce que ça fait. Donc, on va le mettre en seconde position. Et donc, en premier, on va le mettre. Donc, vous voyez quand même que j'ai bien bourriné mes Pokémon, là. Et Raptor 36, 34, 33... J'ai comment dire bien bourriné sur mes Pokémon pour bien les XP pour ne pas faire de fail. Attention les étoiles. Merde. Putain non le troll. Non mais déjà vous avez vu les étoiles alors de mon beau Torterail maintenant. Waouh. Ah waouh. Oh my gosh. Non, je suis bien dégoûté quand même. Enfin, c'est pas que je suis bien dégoûté, mais voilà, parce qu'en fait, au départ, je devais le faire en live. Et comme par hasard, donc là, je sortais de 1h30 de live, donc j'en avais un peu marre de filmer. Alors, j'ai juste décidé d'arrêter pour... pour deux rencontres, hein, tant que j'arrive à 744 et shiny, putain, j'aurais dû continuer, même si la batterie était sur le point de lâcher, même si là, elle est encore sur le point de lâcher, c'est un peu la merde, mais franchement, je suis content de ma version, je pense que je vais lui laisser une autre chance, parce que ce feu rêve quand même, ça me redonne de l'espoir, parce que
voilà quoi. Enfin, je pensais que c'était une salope, qu'elle allait me donner des shiny, voilà. Mais en fait non, c'est une bonne version. Non, on va passer aux dédicaces. Alors dédicace à comment à Chasseur Alex qui est rentré de vacances, à Luca CDDD, je sais pas quoi. Donc bravo pour Ningal, pour bonne chance à Karcha, pour Terrapian, bonne chance à Carius, je sais pas qui tu chasses, bonne chance à Yuyu, tu te reconnaîtras, c'est toi qui fais les vieux de Pokémon X et Y. Après à Gona SH, à Anthony SH, bon bref, à tous ceux qui regardent mes vidéos, bisous, merci. Et donc, maintenant, je sais pas où je vais chasser. Et oui, je vais chasser où? Oui, donc, en fait, attendez. Je vais faire la dernière fois, mais je vais vous montrer la cartouche. Donc, vous voyez, 7h16 de jeu. Donc, voilà, hein, la DS. Voilà, ma SP. Pour cadrer. Donc, regardez que j'enlève sans air, quand même, parce que... on ne sait jamais que si des petits voyez, bon, attendez, j'étais à la merde, putain, je suis handicapé donc avec une main ça va être un peu dur, merde, bon voilà, attendez, regardez, c'est bien ma version perle, Pokémon perle, on l'enlève, attendez, on va le mettre à la lumière. Donc voici ma version perle. Donc je vais chasser dessus, je sais pas qui. Je pense que je vais faire du comment il s'appelle le petit, celui qui évolue encore chaque croc. Ah oui, Cricknot. Je vais essayer de faire Cricknot. C'est pas sûr parce que voilà, je sais pas. Mais voilà, je crois que j'ai rien à rajouter. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et on se dit à la prochaine. Bisous.